Can you hear me? He said, the police officer said, it's going to be a few minutes. Salut les amis, avant d'aborder le drame de la journée, nous allons vous faire découvrir Blue Origin, l'univers délirant de Jeff Bezos. Aujourd'hui, c'est le jour de la famille et nous allons mettre ses autocollants. Nous sommes ici dans le bâtiment de 3 étages de 650 000 pieds carrés à Cap Canaveral, où sont exposées une capsule d'équipage et une fusée. Ils ont une petite boutique remplie de superbes souvenirs et de vêtements dédiés à tout ce qui concerne, vous l'aurez deviné, Blue Origin. Ils ont une boutique en ligne si vous voulez montrer votre amour de l'espace. Ok, je suis prête à rencontrer des junkies de l'espace et des scientifiques fous. Nous sommes maintenant conduits au complexe de lancement 36, loué par Beau depuis 2015. Pouvez-vous croire que 145 lancements ont été effectués dans l'espace à partir de ce site LC-36? Ce site a connu son dernier lancement en 2005 et Bezos a eu envie de le faire revivre. Blue Origin est le carnaval cosmique de l'exploration spatiale. Voulez-vous savoir ce qui était le plus cool? Remplir la carte postale du Club du Futur qui sera envoyé dans l'espace à bord de la nouvelle fusée Shepard de Beau. Puis nous sera renvoyé avec la mention « Envolé dans l'espace ». Voici le drame inattendu qui s'est déroulé et qui a conduit à d'autres drames plus tard dans la journée. Can you hear me? He said, the police officer said, it's going to be a few minutes. He said, there's going to be like 1,000 bikes. He said, it's the ride for law. To have a better view, so he said you can pull right up on the bridge. And he said it's like 3 miles long. Voir passer 1000 motos, c'était cool et tout, mais cela a retardé notre retour au bâtiment de Beau. Nous étions les derniers à faire la queue pour monter dans la capsule de l'équipage lorsqu'ils ont décidé qu'il était temps de la fermer. C'est fermé? Eh ben, nous n'allons pas pouvoir vous en montrer plus que ça.